J'ai jamais su faire de la guitare. Donc du coup on se retrouve dans ma chambre. Elle a un peu changé, il y a des nouveaux écrans, une nouvelle souris. Une explication. Nouveaux écrans, nouvelle souris. Je suis le maître à jeu. Bah voilà, on a ça. On a la nouvelle chaise là, la AK Racing. Aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, mais je vous explique. Il y a à peu près, je dirais 6-7 mois de ça. C'était à peu près en janvier. Il y avait Zello qui avait fait un unboxing du clavier, le Klim Chroma. Et en fait j'étais allé demander à Klim justement s'il pouvait m'envoyer un des claviers, vu que c'était c'est l'une des seules marques qui envoie ses claviers à des youtubeurs. Enfin en tout cas à des youtubeurs de genre 10 000 abonnés à peu près. Et donc du coup moi j'étais allé leur demander tout simplement s'ils pouvaient m'envoyer un de leurs produits. Donc ils ont mis un peu de temps à me répondre et finalement ils m'ont dit oui. Et du coup ils m'ont dit vas-y on t'envoie notre clavier. Et j'ai reçu que dalle. C'est au bout d'un mois qu'il m'a demandé bon du coup tu l'as ou c'est comment. Et du coup en fait pour se faire pardonner, ils n'ont pas envoyé un seul ni deux mais bien putain de trois claviers. Alors du coup on va faire à la bourrin. Je crois que je l'ai percé, je crois que je l'ai pété. J'espère vraiment pas que j'ai fait un trou dans le colis. Mais c'est des malades d'enfants. Non c'est des fous. Quand j'ai vu le colis, je vais pas vous mentir, moi je me suis dit ouais, ils ont dû mettre deux claviers. T'es fou, ils m'ont pas donné deux claviers. Ils m'en ont donné putain de trois. Alors évidemment, je m'en bats les couilles du Klim Chroma, on va pas se mentir. J'ai déjà mon clavier Black Widow Chroma. Du coup, à la fin de cette vidéo, je donnerai le nombre de claviers qui restent encore en vie. C'est-à-dire s'il y en a trois, je donnerai les trois. S'il y en a que deux, je donnerai les deux. Et s'il y en a qu'un seul, je donnerai le clavier restant. Et si jamais il n'y en a pas, vous allez vous faire foutre. Donc du coup, ils me l'ont envoyé en plus, c'était justement il y a 7-6 mois. Puis bizarrement, pendant les vacances, notre acolyte juste ici a fait une vidéo sur le Klim Chroma. Et il y a un autre monsieur qui a fait une vidéo sur le Klim Chroma, je crois que c'était Never CS. Ah. Ah. Attends, Coleman. Qu'est-ce que tu fais, malheureux? Il active la cloche. Donc à la base, en fait, justement, j'étais parti pour vous faire un simple unboxing où en gros, j'ouvre le clavier, je vous montre ce qu'il y a dedans et ensuite, genre, je le compare au Black Widow Chroma. Le truc, en fait, c'est que dans la vidéo, c'était pas vraiment intéressant parce que tout ce que j'ai à dire, c'était le Black Widow Chroma fait ça mieux, mais il coûte 140€ alors que le Klim Chroma, il me semble, il en coûte genre 4. Qu'est-ce que je dis 4? Il en coûte 30. Et donc du coup voilà, comme je trouvais ça pas très intéressant, je préférais plutôt m'attarder sur autre chose. Tout simplement en fait, si on va au dos de la boîte, il y a écrit « Il est silencieux », ça c'est vrai, il est très très silencieux. Je pense que c'est justement quand j'utilisais le Klim Chroma, c'était en général le soir ou je sais pas quoi, parce que le Black Widow, voilà, il fait quand même un peu de bruit, alors que vraiment le Klim Chroma, si vous tapez pas fort, on n'entend aucun son quasiment. Et surtout, ce qu'on voit c'est « Construit pour durer ». Ce clavier est waterproof. Et du coup, je me suis dit, le seul moyen de savoir si jamais ce clavier est waterproof, c'est tout simplement de vérifier. Donc, tout simplement, déjà, on va passer à l'unboxing. L'unboxing du clavier. Donc, du coup, ça s'ouvre comment, déjà, cette merde? T'inquiète, ouvre-le à l'arrache, ça passe. Bah non, parce que sinon, il y en a un qui va le gagner. Donc ça c'est la carte Klim, voilà la carte de fidélité. Ah bah les flancs. Donc du coup, à ce qui paraît il est fait pour durer. Il ne sentira rien d'une chute du haut d'un bureau. Il a résisté quand même. J'en ai pas sur le clavier. T'es sérieux? Voilà. Ça peut paraître méchant ce que je fais, mais moi juste je vérifie les dires du clavier. Je vais pas vous passer un produit mensonger là où la qualité n'est pas au rendez-vous. C'est bon. Donc en gros, fais voir, est-ce que ça a résisté tout ça? Oui, voilà, sinon il est comme neuf, malgré que je l'ai violemment balancé contre le sol. Je pense pas que le clavier Black Widow résisterait à la même chute. Alors maintenant, ensuite, on va passer au branchage. On va voir, je prends ça, je le fous là. Donc on peut voir, il y a tout le monde qui dit, oh là là, les couleurs sont magnifiques. Alors juste, je vais vous mettre côte à côte quand même, le Black Widow Chroma et le Klim Chroma, pour 30€ et tout. C'est quand même plutôt joli, mais on ressent quand même la différence. Même si je pense que si on fermait les volets, ça se ressentirait plus. Wow. Ferme les volets, Coleman. Tu veux fermer les volets, c'est ça? Oui. Ah, ça me rappelle la dernière fois. Et franchement, ça va, la nuit, il est quand même il est stylé. Water, yeah. Water, 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 okay. Water, what? Water, drip, water, splash, water.
Soi-disant, le clavier Klim Chroma est résistant à l'eau. Donc du coup, ce qu'on va faire pour vérifier ça, c'est... Hop. Alors, imaginons, je lance un rocket. Et là, d'un coup, disons, l'envie me prend. Oh. Merde. Oh là là. J'ai mis plein d'eau sur mon clavier. The water is real. Je dois reprendre le combat au plus vite. Oh, je le L alors que mon clavier est plein d'eau. Regardez, c'est tout mouillé. Mais il est putain de trempé. Il se voit votre... Mais il sous. Donc, du coup... Il a l'air de tenir plutôt pas mal, l'eau. Le clavier a l'air de plutôt bien supporter l'eau. C'est pas assez pour le test. Mec, t'as foutu de l'eau sur son écran par contre. C'est pas grave. Ok, donc là, on a une petite bassine de water. Là, ça. Donc on va remplir la bassine. C'est bon. Le clavier est trop vain par rapport à... On va le tremper dans l'eau quand même. La petite préparation. C'est un peu comme le bassin, tu vois, genre quand tu vas à la piscine. Tu vois, j'ai écrit... Ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc du coup, il a réussi la phase 2. C'est le bordel dans cette vidéo. Au revoir, Klim Chroma. Alors, on va foutre ça là. Donc, ce PC, je m'en sers pas. Du coup, limite, j'ai envie de dire, s'il tombe dans l'eau, je serai pas si triste. Vous croyez ou pas, le Klim Chroma, là, actuellement, il est en train de flotter sa mère. Il veut pas se noyer. On va juste ouvrir cet ordi là, le lancer. Donc, ça, par exemple, ça, c'est une astuce. Si jamais vous voulez nettoyer votre clavier, vous avez juste à le foutre dans l'eau. Parce que quand il faut nettoyer, genre, par exemple, un clavier normal de type le Razer Klim Chroma, vous êtes obligé en fait d'arracher chaque touche une par une, nettoyer chaque touche une à une, etc. Puis replacer toutes les touches, et ça vous prend environ une à deux heures. Alors. Hop là. Putain, il s'allume. Là, il est sous l'eau. Si je le prends et que je tape mon mot de passe, j'ai tapé le mot de passe là. Passionnant. C'est gênant. Les lumières. Et n'empêche, franchement, le clavier, tu vois, je ressens pas la race totale. L'ordi s'est allumé, hein. L'ordi s'est allumé. Un petit bain moussant. Je pense que ça suffira. L'écran il s'éteint. T'as niqué l'écran, je crois. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que non, j'ai pas niqué l'écran. Voilà. Il a pas crash pour rien, Coleman. Mais non, c'est juste que c'est un PC de merde et que genre il aime pas, tu vois, tout ce qui est dès qu'il est déchargé ou je sais pas quoi. Oh yeah. Ah ok. Va être bien propre là. On dirait une grosse scène de cul. C'est pour les mécanophiles, tu sais. C'est un peu une machine de guerre, tu vois, parce que mon Black Widow Chroma, je pense rien que le premier test là où ça je l'aurais pas. De ok, Coleman. Tu l'aurais pas tenu le coup. Coleman, tape ton mot de passe. C'est la photo PC, je te jure c'est la photo PC. Attends. Sale bâtard va. Putain. M'en bat les couilles. Il s'en bat. Mais arrête-toi putain. Ça se verra pas mais... Une putain de flaque, je nettoie pas ça moi. Comment ça il fonctionne plus? On l'a tué? Faut le sécher. Parce que là actuellement tu le branches, il marche. Hein. Enfin tu le branches genre, il y a les lumières qui marchent. Bon, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va le soumettre un petit séchage quand même, parce que... Là, il est en vie. Il est mort. On l'a tué. C'est le savon, alors. C'est le savon qui l'a tué. Bon. Coleman, il reste plus qu'une seule chose à faire. Ça fait un seul clavier de mort. Bon, après, moi, franchement, mon hypothèse, c'est qu'il est mort. À cause du savon, non? À cause du savon, parce que quand on l'avait juste foutu dans l'eau... Et que j'avais tapé mon mot de passe, ça s'était passé tranquille, tu vois, il s'en battait les couilles. Bon, du coup, tu sais ce qu'on va faire? Je pense qu'il faudrait l'amener une étape plus loin. Tu veux dire que on utiliserait un autre clavier, cette fois pas de savon, et tu veux le remettre dans l'eau? Ok, donc là, on est à Marseille, on est à la plage. On s'est foutu au bord d'une sorte de falaise. À vue de nez, je dirais qu'il y a au moins une quinzaine de mètres. J'en sais rien, au moins 10 mètres minimum. Il y a plus de 10 mètres. Donc du coup, ce que je vais faire, on a apporté
El clavier Climcloma. Putain, ils sont obligés de passer maintenant les putains d'avions là. Ah là là, les bonheurs de Marseille. Donc là, on a le clavier Climcloma. Encore un peu mouillé des expériences qu'on a faites. Donc en gros, le plan ça va être, je le prends, je le balance à la mer. Et encore un autre avion. Mais baiser vos mecs. Allez, crache-toi, sale bâtard. Normalement, j'ai pas le vertige, mais là, je suis pas serein. Mais en fait, c'est pour ça que. Les gars, regardez. Là, en fait, on est juste. T'avances pas. On est juste au bord du truc. Genre, vraiment. Oui. Là, si vous regardez, c'est. Et en gros, là, on a la petite vue genre, sur Marseille. Si l'un d'entre nous glisse, c'est la fin. Ouais. Et donc, du coup, en fait, le plan, ça va être je vais le prendre, je vais le balancer, et ensuite, je vais plonger pour aller le chercher d'ici. Ok, Clim, c'est pour vous. Les S. Voilà. Clim, les abonnés. Merci, vous m'avez envoyé ce clavier, vous m'avez fait confiance. Voilà maintenant ce que je vais en faire. Mais non. Regardez ça quoi. Attends, le clavier en fait, je l'ai balancé, le fil, genre, ça a tapé l'arbre, et le fil il est resté accroché à la pomme de pin. Mais, regardez, non, mais c'est vrai en plus, hein, le truc USB, là, il est branché à la putain de pomme de pin là, mais c'est quoi ça? Mais c'est quel genre de chaitanerie? Débloque-le, vas-y. C'est une merde. Et c'est encore. Attends, laisse-moi faire, non? Gros, je suis mort. Le clavier, il est resté coincé. J'ai fait toi la pomme de pin. Oh, je l'ai touché. J'ai pété une touche. La touche. J'ai failli sauter l'oiseau, gros. Et de tous les scénarios qui auraient pu se passer, il a fallu que ce soit cette merde. Oh my god. Bon, du coup, au final, on n'a pas réussi à le décrocher, malheureusement. Je suis même revenu plusieurs jours plus tard pour essayer de le décoller. En fait, le seul moyen de le faire tomber, c'est de casser la branche. Mais je pense que le clavier compte rester là un bon moment, donc du coup, je sais pas, si vous avez la foi, vous pouvez toujours tenter d'y aller. Les Marseillais les plus braves qui ont reconnu l'endroit s'y testeront. Encore une fois, un grand merci à la marque Clim, quand même, pour nous envoyer ces produits. Vers la fin, avec le moment où on jette des cailloux sur le clavier, ça peut paraître irrespectueux, mais vraiment, c'est pas du tout le but de la vidéo. La marque, vraiment, j'en pense que du bien. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que le clavier restant est à gagner. Sur ce, c'était Coleman et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.